les bruits, les sons sont changés complètement. On est dans un autre monde. Et la nature, les sons de la nature, là on entend à peine un peu de vent, un peu de les oiseaux, mais ça c'est des sons qu'on n'entendait pas avant. Surtout ici à Ferney-Voltaire, où on avait l'habitude d'entendre des avions qui arrivaient à 80 décibels. 24 heures sur 24, ces silences, surtout maintenant, ils nous entourent. Et il faut assumer que les silences, c'est une musique aussi. Les balcons de la corona à ce virus. Les voisins d'abord, c'est Flocto à mes mères, Gito. C'était pas de la littérature, mais des plaisants. Je m'appelle Lorenzo. Je joue sous le balcon pour transmettre cette joie que la musique envoie. Mais des amis, La santé, c'est pas que le coronavirus, la santé c'est tous les jours. Faire jaillir de l'intérieur une base de sérénité, même une demi-heure par jour, ils peuvent que faire du bien. On va la chanter ensemble, lasciatemi cantare. En plus, on a la possibilité de se reconnaître, se retrouver entre voisins, chose qui, nous, par exemple, en habitant ici, on avait jamais eu l'opportunité de parler si longtemps, d'avoir un lien direct avec nos voisins. Il y a plus qu'un milliard de personnes qui découvrent cette force qui est de vraiment construire des relations. La majorité des voisins de notre immeuble chantent avec nous, ils sont au balcon et partagent leur joie. Un italiano vero! Je comprends qu'il y a un devoir de respect vis-à-vis des personnes qui sont décédées. On est dans un moment très difficile. Nos ancêtres, dans les funérailles, il y avait toujours une bande qui était engagée, qui faisait que la mort devenait un outil de partage et d'aller toujours de l'avant. Parce que la vie, elle gagne toujours sous la mort. Donc en fait, la musique, elle sert dans les moments les plus difficiles de l'humanité. Au niveau déontologique même, en tant que musicien, c'est une obligation morale d'encourager tous mes voisins. C'est une pandémie qui nous permet d'aller au-delà, de faire des choix qu'on n'aurait jamais pu faire. Et simple. Le bonheur, c'est de passer du temps avec nos proches, de passer du temps avec la musique, avec l'art. Donc voilà, moi je commence par la musique. Voilà, et ça fonctionne. Très bien. Ça va la promo ? Ne vous cachez pas les musiciens !